Cette réforme de la politique agricole a aussi entériné un choix sur ce qu'on appelle la question du verdissement de la politique agricole. L'idée que la mutation qui est en cours nécessite qu'on soit capable, dans l'avenir, à maîtriser et à combiner ce que nous appelons la performance économique avec la performance écologique. Et que la question de la compétitivité, et en particulier pour un grand pays agricole comme le nôtre, c'est cette combinaison. Car l'environnement, comme élément de production, est un enjeu de compétitivité. Diminuer le recours aux énergies fossiles, diminuer le recours aux phytosanitaires, diminuer les recours sous toutes ces formes des différents engrais qu'on peut utiliser, c'est améliorer les conditions de la production en termes environnementaux, mais c'est aussi garantir la compétitivité de la production agricole à terme. C'est tout le projet en débat aujourd'hui sur cette grande question de l'agroécologie.